Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui donc nous nous retrouvons pour un nouveau jeu sur cette émission Flash saison 2. Un jeu qui s'appelle Tower Up. Alors un truc assez bizarre, très bizarre, j'ai trouvé ce jeu sur le site de Freeway Interactive. Pour ceux qui ne le sauraient pas, enfin ou qui l'auraient oublié, Freeway Interactive, c'est le développeur qui a créé un de mes jeux Flash préférés. C'est le développeur qui a créé Back to Back. Donc c'était le dernier jeu que j'avais présenté pour mon émission Flash, le jeu qui m'a pris 1h30 de tournage et 5h de jeu, ce qui était déjà énorme. Bon voilà, donc j'ai trouvé ça sur ce site-là, ça veut dire que c'est eux qui ont au moins participé au développement. Ils ont au moins participé au développement et pourtant quand on joue au jeu, on tombe donc sur GameArc, donc avec voilà le fait en fait que c'est GameArc qui a développé le jeu. Et Freeway Interactive n'apparaît nulle part dans le jeu. Il n'y a le nom est noté nulle part dans le jeu. Et c'est ça qui est extrêmement bizarre, c'est que d'un côté on a donc GameArc qui revendique clairement le jeu dans le jeu, et le jeu est trouvable dans la rubrique jeu développé par Freeway Interactive, donc sur le site de Freeway Interactive, qui ne présente que les jeux qu'ils ont développés ou dont ils ont aidé au développement. Donc à mon avis ils ont dû aider au développement de Tower Up, mais n'apparaissent pas dans le jeu et je trouve ça super bizarre. Quoi qu'il en soit, alors ce jeu il est visuellement... Oh, on va voir ça ensemble, on va voir. Donc allons-y. Donc je joue actuellement sur SWF Opener. On va se faire une nouvelle partie. Ça va durer assez longtemps, je pense. Voilà. Et donc on arrive sur une tour. Donc on doit faire monter notre tour. Donc déjà, premièrement, on va renommer notre tour. MDJ Tower. Juste pour ça. Et on va acheter. Donc on a le droit à un petit tutoriel. Donc on achète un étage, voilà. Et puis c'est tout quoi, on achète un étage. Qu'on va tout de suite update. On va l'update. Voilà. Donc maintenant, donc voilà. Donc on l'a updaté 3 fois. Maintenant c'est un studio qui peut accueillir 9 personnes. Donc on peut faire rentrer comme ça des personnes par l'ascenseur. Au départ on va faire ça. Mais quand on aura assez de billets, de toute façon on embauchera directement nos employés. Juste moi je veux voir s'il a une spécialisation. Il a une spécialisation, c'est très bien. Bon pour le moment malheureusement c'est dentiste. Donc on n'aura pas de cabinet de dentiste dans les premiers niveaux. Mais voilà, alors on va développer les foods de toute façon. Donc on va ouvrir une cafétéria pour commencer. Et on va embaucher notre employé dedans. Voilà. Et on va lui dire de produire du café, entre guillemets. Ok. On va voir notre deuxième employé qui va arriver. Voilà. Donc pour le moment tout va bien. De temps en temps on a un bonus qui arrive. Donc voilà. Et là donc on va avoir des personnes qui arrivent. Alors juste la première chose que je vais faire c'est ça parce que c'est assez important. Même si bon bah je vous montre pas. Voilà, je vais juste update tout ça à fond. Ok. Alors quand il y a la flèche ici, c'est que l'employé est entre guillemets optimisé. Donc voilà, donc c'est quand il porte des vêtements qui sont voilà. Et on a engagé quelqu'un en sécurité. Donc qui va protéger les voleurs. Car de temps en temps, on a un voleur qui arrive pour nous voler de l'argent. Et c'est assez ennuyeux.
Alors, dans les autres personnes, malheureusement, ils ne sont pas spécialisés. Donc, il est fort probable que pour les vire arriver à un moment. Parce qu'ils ne correspondront pas. Pour le moment, on peut se permettre de les laisser. De les embaucher. On va leur attribuer donc le poste. Voilà, les postes qu'il faut. Et on va leur donner les vêtements qu'il faut. Pour optimiser. Voilà. Et on va leur dire de produire. Simplement. Donc au départ, ça va très très vite. Excusez-moi. Voilà, petite toux passagère. Et on va encore produire. Voilà. Donc pour le moment, ça va, ça se passe sans encombre. On va. Ok, les services. Je peux pas prendre de service, pourquoi? Bah si, je peux. Bon. Alors, on peut augmenter la rapidité des travaux en payant, mais on va voilà. Alors, on a ici un VIP. Ce VIP, il dit qu'il va acheter tout notre stock dans un étage. Donc, on va l'emmener à l'étage 3. Et il va nous acheter tout le... voilà, tout le contenu de la cafétéria. Bon, c'est pas vrai, excusez-moi. Voilà, donc notre cafétéria... J'ai réactivé mon micro, hein. Oui. Notre cafétéria a été vidée, carrément. Donc, toutes nos ventes ont été faites. Donc, on voit que dans 47 secondes, j'aurai mon nouvel étage qui pourra produire pour moi. Et ben on est bien ici. Ok. Et donc on répond simplement à la demande donc des clients qui arrivent. Ok. Juste je vais voir donc la spécialité des nouveaux. Alors il y en a un qui est spécialisé dans les musées. Ouais, pourquoi pas. Les autres. Voilà. Alors lui, on en a un qui est doué en fast-food. On va peut-être le changer. Résultat. Lui, il est spécialisé et pas très doué. Donc on va le... Alors, on va le virer, il va pas être très content. Mais en échange, on va mettre celui qui est un peu plus spécialisé dans le domaine... Voilà, qui va améliorer la qualité de service. Ok. Ici, pareil, donc update. Ok, on a les cochons, mais voilà. Et on va engager la sécurité. Et on va engager donc nos trois personnes. Bon, il y aura des spécialisés qui n'ont rien à voir là-dedans, mais... Bon. Voilà. Donc là, pour le moment, on a... Enfin, on va avoir juste... Non, trop loin... Alors pareil, vous avez vu, je récupère des collections. Ces collections, plus tard, quand on aura complété les collections, en fait, ça va nous rapporter de l'argent, simplement. Donc ça ressemble beaucoup à ce genre de jeu que l'on peut retrouver essentiellement sur Facebook ou les trucs comme ça. Mais bon. Ça, c'est ça. Faut se méfier quand même à ce que l'argent ne parte pas trop vite. C'est toujours le départ qui est un petit peu pas évident, mais voilà. On va déjà se lancer dans le nouveau. Alors, on va avoir une demande. Donc, on va ouvrir une galerie d'art. Est-ce qu'on se lance dans plusieurs trucs en même temps? C'est risqué, hein, mais ça peut marcher. Bon, alors le problème, c'est que là, on a une personne qui nous embête, parce qu'elle va nous rien nous rapporter et elle nous fait perdre du temps. Malheureusement, ça arrivera souvent au cours de la partie.
Voilà, bon, donc pour le moment tout se passe bien. D'accord, donc on a un. Ah, génial, elle va nous remplir d'un seul coup notre studio. Donc ça, c'est cool. Donc elle va. Donc voilà, donc on va avoir du monde ici. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Donc notre spécialiste dentiste. On va avoir quelqu'un qui est spécialisé dans les saunas et dans les spas. Pas mal. J'aurais peut-être dû virer ceux qui n'allaient pas avant de l'appeler, cette fameuse dame. Histoire d'avoir le plus de spécialisés possible. Parce qu'une fois qu'on aura ouvert bah, par exemple un cabinet de dentiste, on y mettra le dentiste. Qui sera donc super heureux de travailler dans son domaine. Et toi, tu nous embêtes. On va lancer la construction de l'autre étage. Ah d'accord, oui. Donc vous voyez, donc au bout d'un moment, on est obligé de recréer une zone, un étage de. En fait, tous les trois étages, on va être obligé de créer donc un étage résidentiel pour nos ouvriers. Donc on va tout de suite le créer. Voilà. Donc vous voyez, on commence déjà à monter. Toi, tu nous enquiquines. Hop, on a eu des billets. Et on a déjà une collection de prêts à être utilisés. Alors, update. Ok. Sécurité. Et on embauche. Pour le moment, j'embauche un petit peu à l'arrache. Et viendra plus tard où on. On fera ce qu'il faut. Attendez, juste parce qu'ici on n'a pas de. Voilà, ici c'est simplement. Ouais, c'est ça, c'est les cochons qui s'optimisent. Il me semble que par contre, l'habit de cochon il optimise pour tous les étages. Donc à la fin, ce qu'on fera, c'est comment ? C'est que les personnes qui sont heureuses de travailler dans leur domaine, on les mettra en cochon. Comme ça, non seulement elles seront dans leur domaine, mais en plus elles seront spécialisées. Ouais, mais en plus, elles seront optimisées. Je veux dire. Bon, pour le moment, on est encore un petit peu entre guillemets raide. Ok. On va l'envoyer directement à la galerie d'art, cet homme. C'est ce qui va nous rapporter le plus d'argent. Ok. Ah, c'est de la poterie, d'accord, ok. C'est un atelier de poterie. Donc, ce qui fait qu'on a récupéré un petit pactole. Pas énorme, mais c'est déjà ça. Ok, donc ici, update à fond de blinde. Oh ouais. Bon. Je peux plus cliquer, je sais pas pourquoi. Voilà. Et hop, on update encore, et on update une dernière fois. Ok, 10 billets. Voilà.
4000. Allez, on va construire le prochain étage. L'artistique, c'est bon. Casino ou enfin, voilà, du divertissement. Donc, ça peut être une salle de jeux vidéo, ça peut être ce genre de choses. Ok, et on a nos premiers ouvriers pour la suite. Excusez-moi, j'ai souvent coupé mon micro parce que je tousse. Voilà. Ça, on entre. On va traduire. Eux, ils sont pas optimisés, je crois. On va les mettre comme ça. Je crois que c'est bon comme ça. Ouais. Je sais pas quel est le rapport avec la poterie et le costume, mais on sent. Du moment qu'ils sont optimisés, on s'en fiche. Voilà, voilà. Donc vous avez vu une grosse partie du jeu, mais il y a encore pas mal de choses à dire. Donc déjà, le jeu, il est très très chronophage, parce que je suis déjà à un quart d'heure de vidéo et je n'ai rien vu. Ça c'est clair et net. Mais là encore, ça va. On n'est qu'à 7 étages. C'est pas encore trop difficile à gérer. Et ce putain d'ascenseur me casse les rouleaux. Sérieusement. C'est... Non, sérieusement. Ça, le système d'ascenseur, il est con. Et je le trouve complètement con. Ça, qu'on soit clair là-dessus. Ok, dans une minute, j'aurai mon vidéo rental. Alors, vidéo rental, je sais pas. C'est la location de cassettes de vidéo. Donc, vous savez, la location de films. Voilà, donc je peux pas créer le prochain étage tout de suite. On va essayer d'aller récupérer nos collections. Ah non, ça ce sont nos achievements. Pour le moment on n'en a pas. Les collections, c'est ça. Voilà. Ok, donc on a récupéré 400 pièces sur celle-là. Sur celle-là, 600 de plus, 800 de plus, 1000, 100. Ok. Oh, génial, on va pouvoir récupérer un billet, c'est pas très très utile. Ici on peut pas, ici on peut pas. Dommage, on aura récupéré qu'un seul billet. Allez, c'est vrai que vous allez avoir ça. Qui va nous permettre de créer le prochain étage, qui sera donc du shopping. Et de toute façon, le prochain sera... Ah non, je pensais que c'était, ce serait une zone résidentielle. Qu'est-ce qui rapporte le plus? De toute façon, tout rapporte à peu près pareil. Hein. Mais voilà. Après, je sais qu'on a, c'est vis-à-vis de nos spécialités, on peut éventuellement pour avoir le proposer le dentiste, mais bon, on va refaire de la bouffe. De toute façon, voilà. Et voilà. Et donc, on a dépassé le 9e étage, si j'ai pas de bêtises. Et donc, on a un nouvel ascenseur beaucoup plus moderne. Ok, la sécurité. Ok, ici on va embaucher. On va embaucher un petit peu à l'arrache pour le moment. On verra plus tard pour les spécialisations. Quand il va falloir remanier tous les étages, ça va être un petit peu la merde.
Mais au moins ce sera fait. Pour le moment, on fait un petit peu à l'arrache. Remarque, on a pratiquement le plein emploi. On a un VIP. Qu'est-ce que c'est ? Ah, génial, on va avoir une construction instantanée. Donc, on va gagner quelques minutes. Alors voilà, alors il va y avoir d'ici peu le premier inconvénient du jeu, c'est que vous voyez tous ces items là, quand il y en a trop qui traînent, et ben le jeu rame. Et oui, c'est l'inconvénient du jeu, c'est que quand il y a trop d'items, le jeu se met à ramer. Et même sur SWF Opener, donc j'ose même pas imaginer ce qui se passe sur les navigateurs. Hein. Ah zut, j'ai optimisé, j'ai payé pour avoir plus de... ici c'est ça je crois pour optimiser, pour... non, c'est pas ça. C'est ça alors? Ouais, c'est ça. Enfin voilà, je sais pas si on pourrait se faire une série là-dessus sur Tower Up, mais bon, ce serait très très vite lassant en fait. Parce que ça revient. Voilà quoi, ça devient très très vite répétitif. Ok, j'ai deux chômeurs, je sais où ils vont aller. Ok, aucune spécialisation en plus, il ne sert à rien. Un VIP, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, génial, j'ai besoin de toi à l'étage 6. Attendez, ouais. Non. Étage 6. Attends. Toi. T'es viré. Toi. T'es viré. Et le reste, vous êtes spécialisé, donc vous y allez. Et toi, qui va. Ok. On va voir si... Si on a des choses intéressantes dans les personnes qui arrivent. Alors. De toute façon, ici, les spécialisés, il n'y en a pas. Ouais, non. En plus, il n'y a pas énormément de spécialisés qui sont arrivés. Mais bon. C'est déjà ça. Je regarde si j'en ai pas viré un dans les étages qui étaient dans. Bon. Et on a ces trois là. Ok. Hop. Ok. Toi. Et toi. Vous allez vous mettre en tenue super McDo. Super la pub. Ok. Donc systématiquement je mets de la sécurité hein, parce que si vous devez donc vous devez gérer déjà pas mal de choses. Alors si en plus vous devez gérer les vols, vous vous en sortez plus. Hein, pour se faire. Oh, toi tu sers à rien, mais tu sers à rien.
Voilà. Donc vous voyez que là déjà, ça commence à devenir un petit peu le bordel. Donc on commence à plus savoir vraiment où donner la tête. Avec cette toux qui me gonfle toujours. Rien, sérieux. Non, franchement, ce système d'ascenseur, je crois avec vous, il a chier. C'est un des points noirs du jeu. Ça et le fait que quand on va avoir trop d'items qui vont traîner, ça va ramer à fond. Mais à part ça, c'est bon. Hein. Ah, on va avoir un VIP, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Ouais. Il nous amène 20 consommateurs de plus. En fait, c'est un rappeur et puis il ramène donc sa bande de groupies. Voilà, allez, au McDo. Ah, c'est une pizzeria. Bon, si tu veux. Allez, j'aimerais bien c'est au moins vous mener à un truc que j'aimerais vous montrer dans le jeu qui est assez agaçant. Je sais pas quand est-ce que ça va se déclencher. Voilà, vous voyez que là il y a du monde là. J'adore, en plus les feux d'artifice à chaque fois qu'on lance une nouvelle vente, c'est n'importe quoi. De toute façon, faut pas vraiment compter sur les ventes en fait pour gagner de l'argent. Ce qui va nous rapporter le plus d'argent, ce sont les collections en fait. C'est un peu con, mais c'est ça en fait. Ah génial, oh, on va voir. Alors là, on va pouvoir se faire. Quelque chose de correct. Alors pour le moment on va garder nos billets quand même. Mais dans l'idée, on va pouvoir se refaire un étage. C'est rien ici. 800. Voilà, puis en fait quand on arrive à avoir suffisamment de collections. On sait plus vraiment de soucis au niveau du pognon. Hein. Là, je peux me faire 5 étages d'un seul coup si je veux. Hop, service. Et artistique. Ouais, je ferais pas plus. Mais voilà, déjà là, avec les collections que je viens de ramasser, et ben. J'ai pu me faire déjà 3 étages supplémentaires. Donc on progresse. En fait, on récupère le pactole et quand on voit que les sous ben, commencent à diminuer un petit peu, on récupère nos collections. Et puis là, ben, c'est la fête en fait. C'est la fête en fait. Ouais, blague de merde. Et voilà, et là on arrive à ce qui me gave le plus. Les manifestations. De temps en temps, on va avoir une manifestation. Sans raison. Je ne comprends pas la raison de ces manifestations. À ma partie précédente, j'avais réussi à caser tous mes employés spécialisés. À les optimiser, à faire tout ce qu'il y a. Ah, et puis voilà. Et puis il y a cette bande de guignols qui viennent comment foutre la merde en fait. Donc et comment on les éjecte? Donc c'est super désagréable parce qu'à chaque clic en plus, voilà, on. Non, toi.
Parce qu'à chaque clic, en fait, en plus, on baisse et on monte l'écran. Ce qui est ennuyeux, ce qu'il faut faire, c'est cliquer en fait sur les manifestants pour les éjecter. Un grand coup de pied dans le derrière. Voilà. Super. Ok. On update. On update. On update. Ok. Et là, on va faire un truc sympa, c'est qu'on va embaucher tout le monde. Oh oui, là, je tombe sur 3 spécialisés. C'est cool. Billard. Ouais, c'est pas possible. Eh, je suis trop chanceux là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah quand même, j'allais me dire. Alors, est-ce qu'on le vire? Est-ce qu'on le remplace? Allez, on va le virer et le remplacer. On a un petit peu de tout. Non plus. Quasiment. Ok. Bah, ça me va. Cet étage-là, il n'y aura plus à y toucher. Donc, on a que des spécialisés. Je peux me lancer le dernier étage en construction. Troisième étage. Voilà. Mais oui, donc ce qui est agaçant, voilà, ce sont les manifestations qui interviennent sans raison. Et bien sûr, en plus, c'est juste devant. Alors, bizarrement, en plus, ils se mettent juste devant notre immeuble. Alors, si vous avez une explication assez révolte, j'aimerais bien les connaître. Parce que, franchement, je comprends pas. Est-ce que je fais des choses de mal? Est-ce que. Bon. Plus j'adore, c'est comment on les vire à un grand coup de pied dans le derche, quoi. C'est ça, quoi. C'est trop ça, quoi. Bon, là, ça va, hein, tranquille, niveau pognon. Au niveau des billets, par contre, ça commence à manquer. Donc, de toute façon, c'est toujours un peu ça. On va manquer de billets et puis après, on va avoir les collections nécessaires pour les billets. Donc c'est tout. Je suis vraiment désolé pour les coupures micro, mais j'arrête pas de tousser toutes les 2 minutes. Je suis vraiment désolé. Et mine de rien, on est déjà à une demi-heure de vidéo. Ça passe vite. 8e étage, toi, tu veux. Ouais, attends, c'est sympa, mais. J'ai un immeuble à gérer, moi. Alors, est-ce qu'arriver au 100e étage, est-ce que l'ascenseur se gère tout seul? Si oui, je kiffe, quoi. Que là, franchement, moi je suis arrivé jusqu'au 40e étage. Après, ça buguait trop. Ça buguait trop vis-à-vis des items, hein, simplement qui traînaient. Puis, mine de rien, l'animation des personnages et tout consomme. Ouais. C'est sympa, je vais t'envoyer au café. Hop. Ok, donc voilà, ok. Voilà, donc là ça va assez vite, hein. Donc voilà, donc le rythme de jeu quand même est assez soutenu. Plus on a d'étages et plus ce sera. Voilà quoi, plus ce sera un petit peu l'anarchie au niveau de. Au niveau de la gestion.
Ok, donc là on a un mec spécialisé. Donc vous voyez, il est très content. Parce qu'il travaille dans le domaine qui lui plaît. Oh non! Voilà. Et c'est là qu'on arrive au problème. C'est que... Et le pire, c'est que là, je peux plus rien faire quand il y a une manifestation. C'est tout? Donc voilà, donc c'est l'inconvénient de ce jeu. Enfin, ça fait partie du jeu, hein. Mais voilà, quoi, c'est assez gassant. Et il n'y a aucun moyen de contrer, parce que la plupart des choses, il y a moyen de contrer. Par exemple, je veux dire n'importe quoi, Ah, génial, j'ai deux spécialisés. Là. Attends, est-ce que j'ai. Ouais. Allez. Ok, donc ça c'est pas mal. Donc quand on peut mettre des spécialisés, on en met. Hein. C'est important. Et plus on aura des tâches, évidemment, plus on pourra caser nos spécialisés, étant donné qu'on diversifie, excusez-moi, notre activité. Au 10e étage, tu fais chier, toi. Tu vas attendre. Ok, une minute pour ça. On commence à voir ce qu'il faut en collection. Allez, on va commencer à le monter lui parce que sinon. Voilà, c'est aussi un des problèmes du... Comment de la... Du jeu, c'est comment? C'est le... Ah, je veux dire quoi? Désolé. Oui, c'est comment? C'est quand la manifestation est finie, vous avez vu, il y a des faux... Il y a des fausses alertes en bas. Ok, on a notre salle de jeux vidéo. Notre salle de super geek. Alors, est-ce qu'il y a des travailleurs volontaires, entre guillemets? Visiblement non. Dommage. On va faire un étage. Thank you.
Ok. Écoutez, de toute façon, vous avez vu l'essentiel du jeu. Je pense qu'on va s'arrêter d'ici peu. Mais voilà, un jeu assez sympa, donc Tower Up, donc développé par GameArc et apparemment Freeway Interactive aurait participé au développement de ce jeu. On reparlera certainement de Freeway Interactive. Excusez-moi, mais... embêté parce que... Et voilà, et bingo, il y a encore des manifestants. On va récupérer tout ce qu'il y a. Ah, 8000 pièces d'un coup, normal. Ok. 37 000. Oui, je peux faire affaire à cause des manifestants. Allez, dégagez, bande de hippies. Socialiste. Non, je déconne. Ah. Là, j'ai un voleur. Ok, ici vous voyez, j'avais pas de sécurité. Hop, j'ai oublié la sécurité ici. Donc j'avais un voleur. Voilà. Attendez, on va virer toutes les alertes et puis on verra bien ce qui reste. Bien tourné pour le moment. Ok, on va monter la personne qui demande d'aller jusqu'à l'étage 9. Elle est pas chiante cette personne. Tout ça pour aller s'empiffrer à la pizzeria en plus. Bon. Eh oh, 38 000, attendez. Hop, alors monde ceci. Alors on va, là on est reparti, hein. On est reparti pour faire tout ce qu'il faut. Ok. Et le prochain sera 10 000. Donc là, sincèrement, on a de quoi faire. Voilà. Bon bah écoutez, bah sur ce, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à essayer ce jeu, qui est trouvable assez facilement sur internet. Sur le site de GameArc notamment. Sur le site de Freeway Interactive, il est noté comme mais il n'est pas disponible chez Freeway Interactive. Ouais non, en fait oui, non, oui, voilà. On va l'envoyer au café. Donc il est trouvable sur le site de GameArc. Vous pouvez y aller. Et puis bah sur ce, bah je vous dis à bientôt. Okay.
Ouais, 8 minutes, c'est bon. Allez, 45 minutes, ça suffit. Allez! Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt. Ah oui, bah attendez, juste avant. Donc, ce jeu, très bonne sonore. Un gameplay très addictif, très chronophage. Les graphismes sont pas dégueulasses. Donc voilà, donc je vous conseille de jouer à Tower Up de Game Arc. Et sur ce, je vous dis à bientôt.